Salut à tous, c'est Apprenti Dog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les résultats que ça a donné avec Poupette après que son maître est venu me voir. Alors, juste après, vous verrez la promenade, comment ça se passe, qu'est-ce que j'offre au chien quand il vient me voir. J'adore faire ça, la preuve, vous voyez, ça me donne le sourire. J'ai tout le temps la pêche malgré qu'il fait froid, c'est ce qui me réchauffe au fond de mon cœur et ça me fait plaisir. Les chiens, je les adore, je les aime. Pour moi, ils sont encore plus fidèles qu'un humain, parce que lui, il vous laissera, malgré que vous faites des crasses au chien, il vous laissera jamais tomber. Mais bon, je vous ai fait voir le haut pied, le assis, le pas bouger. Et Poupette a pris le pas touche, mais le problème, c'est que, en vrai, Poupette a eu des petits problèmes, c'est parce que c'est dès qu'elle était petite, en vrai, le chien, c'est je me la coule douce, je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ce que je veux. Et ses maîtres lui fixaient pas de base. Alors, pour le pas touche, pour elle, c'est un peu compliqué. Je la comprends, c'est pas de sa faute, c'est à cause de ses maîtres. Et Poupette, voilà, Poupette, ici présente. Elle couine un peu parce que le temps de la vidéo, elle voudrait bien les retourner promener, assis. Bien, mais j'ai amélioré l'agressivité envers les chiens là, comme je l'ai rendu depuis plusieurs semaines, mais j'ai obtenu l'autorisation de son maître de faire des vidéos avec, et ça me fait toujours plaisir de vous la faire voir et de vous apprendre comment on fait. Je vous ai appris le pas bouger, comment on faisait, reculer en faisant des pas et en disant pas bouger, et après dès qu'il n'a pas bougé, vous donnez la croquette ou vous le récompensez. Dans ma prochaine vidéo, je vous ferai voir comment on fait une bonne promenade avec son chien. Et je vous ferai voir comment on récompense son chien avec un jouet. Alors je reviens sur Poupette, je lui ai appris le pas touche, assis, au pied. Diminuer son agressivité envers les chiens, elle ne se jette plus sur les autres chiens, et ça, c'est ce que je trouve le parfait. Et là, attendez, je vais vous faire voir, assis entre mes jambes, meilleur comportement, comme on a pu le voir là. Alors abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire, suivez-moi sur ma chaîne Twitter Apprenti Dog, et à plus tard. À plus. Bien, bien là. Assis. C'est bien. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Bien. C'est bien. Assis. Au pied, c'est bien. Salut à tous, c'est Apprenti Dog et je vous montre, voilà les balades que je propose à votre chien quand on me le confie pendant plusieurs jours ou pendant une séance. Et ben voilà ce que je fais. Je fais une promenade dans un parc pas loin, ou si c'est pas possible qu'il y ait un parc, dans la ville, mais je ne le lâche pas. Si c'est dans la ville, mais dans un parc sécurisé, je le lâche comme celui-ci. C'est bien. Au pied, c'est bien. Alors, on se retrouve juste après.